Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de mettre en place une transition propre qui nous conduira vers des élections libres, crédibles et transparentes. C'est pour ça d'ailleurs que mon association et moi-même sommes engagés dans le combat que le président Zaf a toujours mené jusqu'à présent. Donc dire aujourd'hui combien de places on veut, pour moi, il ne s'agit pas, c'est pas une question de place, c'est surtout une question de principe pour qu'on puisse sortir le pays de cette crise et mettre en place cette transition qui nous conduira vers des élections libres, crédibles, sans exclusives, transparente, qui seront acceptées par tous, les malgaches et la communauté internationale. La mouvance Ravalomane, par le biais de Roland Ravatoumang, ne veut pas donner de nom pour être ministre, car cette mouvance récuse la nomination même de ce nouveau Premier ministre. La mouvance Ravalomane attend la rencontre entre l'ancien président, leur leader, et le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, avant de donner leur version sur cette nomination.